Et le vainqueur donc, de l'édition 2011 de l'Open de l'Utah, ça nous fait particulièrement plaisir parce qu'il est de temps et que c'est son premier tournoi pro. Il a été champion d'Europe avec l'équipe de France il y a encore un mois. Il est aux États-Unis, il repart passer les cartes du circuit américain. Ça fait très très plaisir, c'est Cyril Brunol. Je vous souhaite une grande carrière. Donc, comme le coutume, Cyril, tu vas nous dire quelques mots en français, s'il te plaît. Bonsoir tout le monde. Je voulais commencer, bien entendu, pour remercier, bien sûr, les jardiniers qui ont fait un super boulot. C'est vrai que ça fait 7 ans, à peu près, je suis dedans, mais ça faisait à peu près 7 ans que je n'avais pas joué ici et j'ai été surpris par. Les énormes progrès qui ont été réalisés, la qualité du parcours. Après, bien sûr, je vais remercier de tout l'organisation du tournoi avec quand même des moyens qui sont mis à la disposition des pros avec la prise en charge des repas, une super ambiance. Et bon, moi, j'ai pas assez de recul pour pouvoir le dire, mais je vois que tout le monde revient année après année et que tout le monde a le sourire et est content de venir. On sent que les gens sont heureux de nous voir et puis c'est toujours sympa d'avoir un peu de monde qui suit, le shootage, le concours de drive, une super ambiance. C'est vrai qu'on a un premier événement un peu avec le statut pro, c'est vrai que c'est un bon début. Après, je veux remercier toutes les personnes avec qui j'ai pu jouer ces trois derniers jours, bien sûr, un coup de cœur avec mes trois coéquipiers pour le programme qui ont été super. Après, bien sûr, les pros avec qui j'ai pu jouer sur ces deux jours et qui je n'ai pas joué bien sûr. Je vais terminer par vous dire que j'étais heureux de pouvoir faire mes débuts pro ici, dans ma ville. En plus gagner, bon ça c'est la cerise sur le gâteau, mais j'ai passé trois super jours et je vous souhaite bonne chance pour l'édition l'année prochaine et peut-être que je serai là. Voilà. Merci. Merci pour